Bonjour à tous les téléspectateurs et merci. Merci de m'accorder ces quelques minutes pour faire mémoire de mes parents, de mon papa et de ma maman. Vous savez tous que je suis né en Afrique centrale, mais vous ne savez pas que je suis né d'une famille de parents très engagés dans leur foi. Papa était orphelin, très tôt, très jeune, et il a été éduqué auprès d'un oncle qui se trouvait à Jérusalem et qui était archimandrite. Et de là, il est parti en Afrique à un âge, une fois son adolescence terminée, où il est resté jusqu'à la fin de sa vie pratiquement. Maman était d'une famille plutôt aisée, une famille moyenne, avec une très très bonne éducation. Papa avait été moins éduqué, évidemment, du fait de malheurs qu'il avait connus dans son existence. Maman, oui, était une femme très éduquée, mais il y avait une différence entre eux. Il y avait des similitudes et une différence. La similitude, c'est que maman était une personne très éduquée, une musicienne, elle jouait de la guitare classique et elle avait certaines hésitations, je dirais, concernant son engagement de foi. Papa, lui, était entièrement engagé dans la foi. Et il vivait cela avec une profondeur, avec une réalité de tous les jours. Je dois dire que quand on voyait mon père travailler, quand on voyait mon père parler, on avait l'intention de découvrir une image de l'Évangile. Pour lui, tout était centré autour de l'Évangile. Tous ses comportements, toutes ses attitudes. C'était un homme qui pardonnait, c'était un homme qui n'avait aucune rancune, c'était un homme qui ne connaissait pas la haine. Avec maman et papa, j'ai eu une chance extraordinaire, parce que tous les deux étaient des gens profondément honnêtes, des gens profondément engagés dans la relation avec les êtres humains. Et ce sont ces leçons-là que j'ai reçues, des leçons de tolérance, des leçons d'engagement, des leçons de droiture. Il y avait des valeurs dans la famille et nous vivions sur la base de ces valeurs. Je pense souvent à eux, que leur mémoire soit éternelle.